particulière, soirée unique même dans une carrière et dans une vie, car elle dispute le championnat du monde WBC-WBA, les deux fédérations majeures, historiquement les plus prestigieuses, devant une grande, grande championne, une athlète de 34 ans qui dispute ce soir pour la 23e fois un combat pour un titre mondial, c'est vous dire, et 15 fois la même boxée pour les titres majeurs. Il y a un contraste d'ailleurs entre la carrière de la Canadienne et celle de Gaëlle Amant, qui a été championne du monde, mais pour la WBF, bref, pour une fédération mineure, il y a 3 ans. Ce soir, à 33 ans, elle qui est invaincue, dans ce contexte favorable, il va falloir qu'elle se sublime, car c'est un enjeu magnifique. Quand on parle du combat d'une vie, c'est vrai. Car cette boxeuse qui a fait une belle carrière amateur, Dominique. Hein, oui, elle est en équipe de France pas mal d'années. Et qui est passée une belle expérience professionnelle il y a 6 ans. Ce soir, c'est le championnat du monde qu'elle rêvait. Elle ne pouvait pas rêver mieux devant 2000 spectateurs à Cergy-Pontoise où elle est arrivée. C'est sa ville, son quartier où elle a grandi. Donc c'est une histoire magnifique. Il faut espérer qu'elle se termine de façon aussi belle. Mon cher Messaoud. Non, c'est pas Messaoud. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Cossegal sur le ring. Il est prêt. On y va. C'est parti. Le championnat du monde. Championnat du monde unifié. WBC et WBA dans la catégorie des poids plumes. Moins de 57 kilos, 152 grammes sur la balance. Combat prévu en 10 reprises de 2 minutes. Nous allons accueillir en premier celle qui est ce soir la challenger. C'est le combat de sa vie. Elle est à domicile. Elle réside à 300 mètres d'ici dans le quartier des Maradas. Elle vit dans l'agglomération depuis l'âge de 6 ans. L'icône, la chef de file du Railou Cergy Box, les Maradas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Alors, tout le monde pour accueillir la plus belle et la plus grande de vos championnes, Kael Dynamito! Le visage est fermé maintenant, l'attitude a été modifiée, c'est logique. Pour l'invaincu, championne de Cergy-Pontoise, championne de France, puis championne d'Europe. Une carrière qui avait commencé avec ce titre national en janvier 2012, il est loin. Puis ensuite un championnat d'Europe quelques mois plus tard et un titre mondial mineur. Une carrière arrêtée, mise entre parenthèses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Puis il fallait assurer un petit peu l'avenir, donc pendant un an et demi, elle s'éloigne des rings et elle décide de remonter sur un ring en février 2015. Deux combats, puis un autre au mois d'avril qu'on a vécu sur la chaîne L'Équipe lorsqu'elle a battu pour un titre international Tamara Marianella Nunez. Mais ce soir, c'est une autre histoire, un autre enjeu, un autre challenge bien plus compliqué. L'adversaire est la championne du monde unifiée, indienne d'Amérique du Nord, basée à Edmonton au Canada. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de lui signifier ce soir d'ici au Maradas. Vous connaissez la signification du mot sportivité et que vous la pratiquez en lui réservant l'accueil qu'elle est en droit d'attendre de vous. La championne du monde WBC, WBA, Jelena Emerjanovic. Jelena Emerjanovic, cette Canadienne, mais son père est serbe. Il a immigré au Canada, il a rencontré sa femme, une Canadienne. Et est né donc à A River, Northwest Territories. Cet athlète d'un mètre 70, au palmarès impressionnant. Ce soir, son 48e combat. 36 victoires à ce jour, 19 gagnés avant la limite. C'est rare dans la boxe féminine. Une boxeuse qui gagne aussi souvent avant la limite. Elle a subi 10 défaites, un match nul. Donc elle n'est pas invulnérable, bien entendu. Mais ses défaites, toutes concédées lors de grosses échéances dans des championnats du monde, tous
ou presque disputée chez elle au Canada. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle vient boxer en Europe. Une fois elle est sortie de son Canada pour boxer au Panama et conserver ce titre mondial des poids plumes. Elle a été championne du monde en super plume. Ensuite elle est passée en poids léger. Elle est redescendue en plume pour maintenant conquérir donc une troisième couronne. C'est dire la richesse du palmarès de cette boxeuse qui est une grande, grande championne. Passée professionnelle le 27 mars 2010, elle va livrer son 15e combat ce soir. Elle est invaincue, 14 combats, 14 victoires, une seule obtenue avant la limite. Successivement championne de France, championne d'Europe, championne du monde WBF et championne internationale pour le World Boxing Council, la challenger Kael Dynamito. Elle est âgée de 34 ans. Elle a seulement disputé 10 rencontres amateurs avant de passer professionnelle le 25 janvier 2003. Elle va livrer ce soir son 48e combat. C'est son 23e championnat du monde. Elle a été titrée à 14 reprises dans 4 fédérations et 3 catégories de poids différentes. La championne du monde unifiée WBC et WBA, Jelena Emerjanović. Les superviseurs de ce championnat du monde sont Madame Ensa Iacopponi pour le World Boxing Council, Monsieur Jesper Jensen pour la World Boxing Association. Les trois juges de ce combat sont messieurs Erkki Meronen, Finlande, pour la WBA. Monsieur Stefano Calossa, Italie, également pour la WBA. Et monsieur Robert Berwige, donc Pays-Bas, pour le World Boxing Council. L'arbitre directeur de combat est monsieur Daniel Van Wild pour le World Boxing Council. Les deux boxeuses sont montées sur la balance hier soir à 18h au centre commercial Les Trois Fontaines. Il ne fallait pas dépasser 57 kg, 152 grammes sur la balance. Jelena Emerjanović a été pesée à 56 850, Gaël Amand à 56 900. Mesdames, messieurs, c'est la tradition, lorsqu'une ou des ceintures mondiales sont en jeu, nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Honneur à l'officiel directeur de combat, l'hymne national de Belgique pour M. Daniel Van Wild. Avance un peu, fais avance, avance, stop. Lève le drapeau plus haut. National canadien pour Jelena Emerjanović. Je ne savais pas qu'on s'appelait comme ça. Thank you.
En l'honneur du Maïdou Sergi Box et de ses partenaires qui organisent cette soirée, de la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise qui l'accueille, et de Gaël Amand qui va disputer le combat de sa vie, deux ceintures concernant les fédérations majeures en jeu, l'hymne national français. Maintenant, dans quelques secondes, quelques instants, le premier round de ce championnat du monde prévu en 10 rounds. Ce sont les durées pour la boxe féminine et surtout 2 minutes par round, on le précise. 10 rounds de 2 minutes, oui. Donc distance de compétition pour les féminines. 4 fois 2 minutes aux Jeux Olympiques, 10 rounds de 2 minutes pour un championnat du monde, championnat d'Europe. Donc toutes les grandes compétitions professionnelles. Laurent Boucher, le soigneur. Numéro 1 pour peut-être la boxeuse numéro 1 en France si elle gagne ce soir, mais la route va être longue, va être semée d'embûches pour donc Gaël Amand, l'arbitre Daniel Van de Ville, le Belge, qui a l'habitude, hein, qui a l'habitude des combats à fort enjeu et qui réussissent aux boxeurs français. Juste une anecdote, il a arbitré deux Français pour des titres majeurs en cette année 2000. Venu le champion de l'Union Européenne il y a quelques jours, et Thomas Masson est devenu champion d'Europe, a conservé son titre dans la catégorie des mouches, que ça dure, et c'était Daniel Van de Ville l'arbitre. Alors, je vous ai parlé dans le vestiaire, je veux un combat sportif et bien écouté. Allez, bonne chance. Et il porte une chemise rose, c'est très rare pour la WBC, habituellement elle est verte car c'est le mois qui permet à la WBC de s'associer à la lutte contre le cancer de la poitrine, et donc il y a cette couleur riche de symboles pour ce championnat du monde. Deux ceintures en jeu. C'est le championnat du monde des poids plumes, tout simplement. Gaël Amand et elle, comme Estelle Mosley en finale des Jeux Olympiques, elle porte les couleurs tricolores dans ses cheveux. Peut-on dire que ça lui porte bonheur. Le premier round, la championne du monde, Yelena Merjenovic, la Canadienne. Beaucoup plus expérimenté dans ce genre de compétition, de genre de combat en jeu. Près de 4 fois plus de combats. Et une puissance qui peut inquiéter. Il y a eu un gros travail qui a été fait, bien sûr, pour axer sa boxe sur sa vitesse. Les déplacements, c'est la force de Gaël Amand, qui n'est pas une fille très puissante, seulement une victoire sur ses 14 succès. Attends, elle est plus rapide, elle est beaucoup plus rapide. Attention, la droite. Oh, la puissance. Eh oui, malheureusement, elle vient d'encaisser. Alors, il y a un petit sourire. Elle a donné ce direct. On a vu l'efficacité. Le crochet droit est passé au-dessus du direct du gauche. Droit est dangereux. Et Gaël Amand est déjà ébranlé. Oh, que je suis inquiet après une minute de combat. Quelle puissance dégagée par la championne du monde. Gaël a mal. Il va falloir serrer les dents. C'est vraiment... Et encore une droite. La droite passe encore. Sur toutes ses attaques, elle a le point gauche. C'est vraiment un peu bas. La championne de la catégorie, donc la plus costaud, donc et une des championnes, toutes catégories confondues, les meilleures au niveau mondial. Elle est puissante, elle dégage de la puissance. Oui, encore la droite. Donc je suis inquiet parce que chaque attaque fait mouche, ébranle et fait perdre l'équilibre à notre championne nationale. Si elle accepte la bagarre, si elle travaille en force,
Elle n'a pas tout à fait intérêt à rentrer dans ce dans cette logique de combat. Alors elle s'est préparée bien sûr chez elle, il s'agit de Sergi Pontes, mais également Lorraine pendant 15 jours, un gros travail physique et technique. Thank you. Et dans le coin. Dans le coin, donc il y a Ibrahima Mariko, son entraîneur habituel. Abdillah Raïlou. Et justement, c'est Abdillah qu'on écoute. C'est lui qu'on écoute. Et Patrick Abagnio. Fais attention à sa droite. Te bats pas, Gaël. Te bats pas avec elle. T'es parti un petit peu à la bagarre, c'est pas bon. D'accord. Sois plus intelligent. Lève bien les mains. Attention à sa droite. D'accord. Lève bien les mains et fais attention à sa droite. Et surtout, ne va pas à la bagarre. À la bagarre, Gaël. T'as dit. T'es meilleur techniquement. T'as dit rond à faire. D'accord, il y a 10 rounds. T'as dit rond à faire. D'accord. Ce qu'elle cherche à comprendre, pas ce respect. Comment tu le sens? Tu la vois arriver? Faut que tu la voies arriver, gars. Faut que tu voies sa droite et son bras avant arriver. Faut que tu lèves bien les mains. Okay. D'accord. Et ne va pas à la bagarre. À la bagarre, pas de bagarre, surtout pas. On prend pas de risque dans les événements, gars. Pas de risque, protège dents. Allez, seconde heure là. Allez, seconde heure. Le problème, c'est pas elle qui va à la bagarre, c'est. C'est la Canadienne qui lui impose le combat de près. Jamais elle n'a rencontré tout au long de ces 14 ans une adversaire de ce niveau qui détient le titre mondial de cette catégorie. Parce qu'elle tourne du mauvais côté, justement. Depuis 4 ans, elle 4 va ans déjà, qu'elle est championne de l'UBC, qu'ensuite elle a unifié le titre il y a quelques mois en battant Edith Soledad au point. Mais elle avait déjà fait un premier championnat du monde en super plume en novembre 2005, qu'elle avait remporté et conservé ce titre pendant 3 saisons. C'est vous dire la longévité de sa carrière, plus de 10 ans au niveau. Elle fait une erreur tactique, Gaël, c'est d'aller tourner sur son bras gauche et d'aller sur la droite de son adversaire qui aide ses points forts. Elle va s'empaler sur cette droite à chaque fois. Elle devrait tourner de l'autre côté, sur son côté droit. Comme il parle parfaitement anglais, il s'exprime. Oh là là, cette droite, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Et heureusement qu'elle ne suit pas. Mais elle m'inquiète. Et vous aussi, certainement. Elle a une frappe lourde, destructrice, elle travaille en dessous. Alors bien sûr que elle est plus lente. Mais n'oublions pas, hein, elle a été championne du monde en super plume et en léger, c'est dire son efficacité lorsqu'on descend de catégorie. On a une puissance supérieure et elle le montre. Elle est arrivée il y a 8 jours. Juste assez pour récupérer du décalage horaire. Fin de la deuxième reprise. Lève bien la main et avec ta droite. Quelle attitude étonnante de Milan Lubetvac. Left hook tighten up. Get under with that 45 degree left hook. Don't go around on the top. Okay? Get under with the left hook. Once you go to the body, get under. Okay? Il lui parle de degrés avec la main gauche qui doit être un petit peu plus haute et ensuite d'enchaîner. Il n'a pas demandé d'enchaîner avec son crochet bras avant, peut-être. Mais c'est incroyable. Ils discutent tous les deux, il a la main sur les hanches, il y a une attitude. Ouais, mais elle n'est pas très essoufflée, elle. Non, mais. Quelqu'un qui vient de faire deux rounds à fond, là. Voilà, et on sent la grande complicité entre la championne et son entraîneur. Ah, la relation entraîneur-entraîneur a toujours été un des fondements de la victoire. Et on sent des certitudes, une solidité et une confiance que transmet l'entraîneur à son boxeur, et c'est aussi la réciprocité. Un peu plus actif sur ce début de troisième reprise, Gaël. C'est vrai que son bras avant, elle prépare le droit. Mais il faut qu'elle déclenche, Qu'elle l'impose peut-être, qu'elle essaye autre chose, qu'elle essaie d'avancer sur elle peut-être avec son bras avant et éviter de tourner sur son point fort.
depuis le début, elle tourne sur le côté du bras arrière adverse et ça peut lui poser des problèmes. Elle tourne sur sa gauche et donc elle percute la droite de son adversaire. La préparation s'est parfaitement établie avec en collaboration avec Patrick Davaglio à Strasbourg, l'entraîneur de Nadia Ogbi qui a l'habitude de ce genre de confrontation au plus haut niveau. Qui est présent d'ailleurs Nadia dans cette salle ce soir. Oui, Nadia est là, Patrick dans le coin. Oui, c'est bien ce public. Ce public qui est là. Et on sait l'importance ce soir de tous ses copains et copines, ses amis, ils sont nombreux. Il faudrait qu'elle accélère un petit peu pour essayer de remporter la reprise. Parce que cette reprise est équilibrée. Elle donne pas de rythme. Hein. La championne du monde. Elle est assez monocorde. Hein. Elle essaye uniquement de mettre son bras arrière. Oui. Donc sans trop de fioritures. C'est pas très académique non plus. C'est uniquement puissant. Troisième reprise. Dans le coin de Gaël. Elle fatigue, hein. T'as remarqué? Donc alors qu'est-ce qu'on fait? On prend pas de risque. Pas de attention risque, à sa droite, tu l'as prise à main. Lève les mains, constamment tu lèves les mains. Surtout tu lèves bien les mains. Elle cherche la droite et le crochet gauche. Lève les mains. Juste, tu vois. Le seul conseil qu'on peut te dire, c'est de faire attention. Fais attention à sa droite et à son crochet gauche. Te bats pas. Ok? Elle cherche le coup dur. On va pas le prendre, elle va pas le trouver. D'accord, il y a 10 rounds. Ça marche pour toi? Gaël, avant, après les attaques, lève les mains sur toi. Elle cherche le coup. Lève bien tes mains. Elle cherche le coup. S'il te plaît, prends pas de risque. Ne te bats pas. Comme durant les deux rounds précédents, Gaël reste assise les 60 secondes alors que la championne du monde en titre se relève au bout de 30 secondes. Non pas prête à bondir, mais... C'est une manière aussi psychologiquement de montrer sa supériorité lorsque on se relève avant. Attention, l'épreuve de force. Si elle double le crochet. C'est peut-être pas le moment encore. Accélérer, oui, mais pas forcément se battre. C'est deux choses différentes. Se remettre dans l'axe au centre du ring et donner le direct du gauche. Voilà, ces changements de rythme, des accélérations sur deux, trois coups, c'est ce qui manque un peu à Gaël pour le moment. Attention Gaël, sans jeter. Mais trouver le juste milieu entre ne pas se jeter, ne pas prendre trop de risques et en même temps prendre des responsabilités et la prendre de vitesse. Les paramètres sont compliqués. Il faut qu'elle termine les actions et qu'elle aille plus vite sur la fin des enchaînements. Elle est un petit peu en dedans dans ce championnat du monde. Elle ne l'a pas emballé. Nous sommes dans la quatrième reprise. Elle a été surprise par l'efficacité de. Et ça a un petit peu stoppé aussi psychologiquement. Ça fait du mal psychologiquement, bien sûr, quand on se rend compte de la puissance de son adversaire sous les deux attaques. Box. Même si maintenant elle lève mieux son point gauche, elle ne prend plus la droite pour l'instant. Mais elle ne marque pas de point. Elle est trop loin. Elle est trop loin. C'est pas trop suffisamment loin. Efficace. Et oh là là. Attention, le contre. Ne jette pas. Eh oui, oui, oui. Il y a danger. C'est compliqué face à cette championne. Elle fait mal. Cette frappe est lourde. Elle n'arrive pas à stopper cette droite. Non, il y a un vrai problème tactique. Il y a un problème tactique et technique qu'elle ne résout pas pour l'instant. Il faut espérer. Encore une touche. Lève les mains, lève les mains. Il n'y a rien, lève les mains. Écoute, tu vois, elle cherche que ça. Ouais. Elle cherche que le coup dur. Ouais. On fait attention à son bras arrière. Les coups larges, d'accord. On lève bien les mains. Et on travaille à l'intérieur. D'accord. Ouais. Fais attention au coup qui arrive. Sans jeter, Gaël. Okay, respire. Donne-moi de l'eau. Fais attention au coup dur. Fais attention à sa droite. D'accord. Travaille intelligent. Prépare avec ton bras avant. D'accord. Allez, Gaël. Je suis toi aussi, Gaël. D'accord. Te jette pas, Gaël. Il y a des roulettes encore. On va l'avoir à l'usure.
Et son entraîneur c'est le début a une assurance et une certitude. Entraîneur de la Canadienne. Bah, c'est-à-dire qu'elle a vu, du début de combat, oui, il peut être rassuré. Il se sent rassuré, voilà. Mais attention, on sait que sur un box, ça peut basculer très vite sur un coup. Maintenant, Gaël n'a pas la puissance suffisante. Mais elle compense par cette activité, mais pour l'instant elle est insuffisante cette activité. Il n'y a pas assez de vitesse, il n'y a pas assez d'enchaînement, il n'y a pas assez de densité offensive chez Gaël pour pouvoir convaincre les juges de lui attribuer les reprises. France qui est. Là c'est bien. Belle. Au côté d'Abdila. Bien coup du bras arrière. Concentré, le coach de Gaël, super concentré. Adelila, est-ce qu'il faut changer de tactique parce qu'elle est menée maintenant, Gaël, il va falloir y aller. Elle est menée, ouais, il va falloir y aller. On va commencer à y aller, on va commencer à travailler. Et on va commencer à travailler les attaques de préparation. Voilà. Vous ne la sentez pas plus fatiguée que son adversaire? Comment? Elle a l'air beaucoup plus fatiguée que son adversaire, là. Non, ça va, elle est fraîche. Gaël, c'est dans la dureté qu'elle progresse. C'est sur la longueur? Voilà, sur la longueur. Il va falloir nous le prouver maintenant. Il y croit, et heureusement qu'il y croit, parce que si l'entraîneur ne croit pas à sa boxeuse, ce serait inquiétant, surtout qu'elle a encore ses chances. Elle est menée, bien entendu. Nous sommes à mi-combat maintenant. De Gaël a touché le visage qui est un petit peu tuméfié de l'œil gauche de la Canadienne. Et cet œil peut se fermer, cet œil gauche. On a fait un bon round, Gaël, sur ce match, sur cette reprise. Elle marque un petit peu le coup. Yelena Mirjanovic marque le coup. On va se rendre compte d'ailleurs dans son coin. Il a ce qu'il faut, son entraîneur et le soigneur. Et élément important, le pointage qui n'est pas annoncé au public. Il y a des accords entre WBC et WBA, mais le pointage après 4 rounds est donné aux deux camps respectifs. Donc les deux coins, les deux adversaires sont au courant du pointage des trois juges qui sont respectivement néerlandais, finlandais et italiens. Il reste 6 rounds. Allez. Et nous vous annonçons qu'à l'issue des 4 premiers rounds, 2 points d'avance pour 2 juges. Et le troisième donne 3 points d'avance, les 3 en faveur de la championne du monde en titre. Oui, c'est bien, ce bras arrière droit, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Mais elle peut revenir, déjà en gagnant ce 6e round. Allez Gaël. Ne pas rester à mi-distance. Elle est marquée physiquement, la championne canadienne. Maintenant sa force reste impressionnante, la fraîcheur est du côté de Gaël. Le match peut basculer, c'est fort possible. Et elle conserve ses chances malgré son retard pour l'instant. Elle a l'air de marquer un petit peu le pas, la Canadienne, sur cette reprise. Elle est plus fraîche, c'est incontestable. Elle est mieux physiquement, Gaël Amand. Elle est mieux, elle prend les initiatives qu'elle ne prenait pas au départ. Oh, qu'elle est fatiguée, qu'elle est éprouvée. C'est incroyable. La championne de 34 ans qui est marquée, cette blessure va s'aggraver. Mirjanovic a du mal sur cette reprise.
Et il faut qu'elle déclenche la première et finir fort le round pour sensibiliser les trois juges au bord du ring. Il faut qu'elle avantage, qu'elle privilégie les actions offensives maintenant pour terminer le round fort. Fin de la sixième reprise. Elle a toutes ses chances. Gaëlle a toutes ses chances maintenant dans la deuxième partie de combat. Respire dans son corps. Ça va ? Ouais. Souffle bien. Comment tu te sens ? Ça va. Tu fais attention au contre, elle cherche le contre. Ouais. T'as capté ? Ça va, Gaëlle ? Sur sa gauche. Sur sa gauche, décale à droite. Décale à droite, tu mets ta droite. Ouais. Ok ? Décalage sur sa gauche, tu mets ta droite. Ok. Ok, ça marche ? Ok. Là, on va commencer à travailler. Elle tombe sur sa gauche. Elle tombe sur ses coups. D'accord ? Elle tombe sur ses coups. Décalage à droite, droite. Ok ? Et l'hypercute, il passe. Tu veux un coup ? Non. Lucide et posée. Elle n'est pas dans le rouge d'elle, la main. Elle est parfaitement prête sur un plan physique. Septième reprise. On fait du bon travail lors de la préparation. Elle est mieux depuis qu'elle laisse moins d'initiative. Et le public, écoutez ce public de Sergi Pontoise, les 2000 spectateurs. Elle est fatiguée puisqu'elle tombe tête en avant. Mergenovic, elle est un petit peu dans le rouge depuis deux rondes. Et en étant moins bien physiquement, sa puissance s'émousse. Il faut qu'elle active un petit peu plus ses actions, Gaëlle, qu'elle accélère et qu'elle change, qu'elle modifie un petit peu ses combinaisons et qu'elle termine plus vite les actions. Et il faut maintenant, sur une durée de 2 minutes, partir vite et finir encore plus vite. Elle a, comme on dit dans le jargon, une grosse caisse. Hein. Ça n'a rien de péjoratif. Elle a des aptitudes qui sont très élevées. Oh, c'est difficile maintenant pour la championne du monde. C'est bien. Le match a basculé. Le combat a basculé ce soir. Et c'est formidable pour le spectacle. Et l'intérêt de ce beau championnat du monde. Elle le gagne ce septième round. Elle est en difficulté. Et si quelque part, la Canadienne payait sa longue carrière, près de 50 combats, une carrière pro commencée il y a 13 ans, des combats durs, on parlait de son 23e combat pour un titre mondial, c'est vous dire, bien qu'elle n'ait qu'un an de plus que Gaëlle, qui est toute fraîche quelque part, seulement 14 combats, et puis des combats relativement confortables et faciles. Donc, elle n'est pas invincible, elle a 10 défaites à son palmarès également, donc elle est prenable. Respire. Quel round c'est ? 8. C'est le round 8. Water. Yeah. Un peu d'eau. Here. Stop up there the tempo with the jabbing. And you're okay. Move your head. Bouge ta tête et donne-moi ce direct du gauche. Est-ce que c'est un combat serré ? Mais tu vas le rendre serré ? Ce combat, si tu ne fais pas ce que tu dois faire. Il a raison. Mais oui, et elle est dans le doute. Elle est dans le doute. Ah, c'est passionnant. Comment dans ce sport, les choses sont modifiées, basculent. C'est le 8e round maintenant. Galamant revient dans le combat. Les meilleurs techniquement, Gaëlle, par rapport à la Canadienne, qui travaille en force, qui essaye d'amener la preuve de force. Attention, malgré tout, ne pas tomber dans le piège. Parce qu'elle essaie de la contrer. Elle a la bouche entrouverte, la Canadienne.
C'est un problème de protège-dents depuis le départ. Ou il est trop grand. Le protège-dents est mal adapté. C'est incroyable. Il semble que depuis. Bon, ça, j'avais. Il est énorme ce protège-dents. Il est énorme par rapport à. Et on a l'impression qu'elle est en dette d'oxygène quand on la voit au visage. Watch your head. Stop. Watch your head. La tête, plus haute. Du nom de Daniel Van de Ville. L'excellent arbitre belge. On a presque l'impression que le protège-dents va sortir de sa bouche. Elle va le rejeter. Et Gaël accélère. Oui, le percuti vient de passer. C'est pas mal. Oui, Gaël. C'est exactement ce qu'il faut pour renverser la vapeur et le cours de ce match. Mais c'est serré encore. C'est serré. Ça va jouer à pas grand chose. Ça va jouer sur les 20 dernières secondes, sur cette reprise. Mais attention, n'oublions pas cet écart. Hein, après 4 rounds, bien sûr qu'elle revient pour cet affrontement. C'est bien gagné. Finir fort encore les dernières secondes. Oh, ce round avait paru un petit peu plus court. Fin de la 8e. Il en reste deux. Si Gaëlle Hamant veut être championne du monde ce soir, elle doit impérativement gagner les deux derniers rounds. Écoute-moi bien. C'est clair. Fais gaffe à sa droite. Elle est dans la merde. Elle cherche le contre. D'accord. Physiquement, t'es meilleur. Physiquement, techniquement, t'es au-dessus. C'est au-dessus techniquement. Elle se fatigue, elle. Elle se fatigue. Marche plus dessus. Elle se fatigue. Elle n'a pas l'habitude. Décale sur son bras avant. D'accord. Décale à droite. Droite. Ok. Ça va? Ouais. Tu fais attention au contre, s'il te plaît. Ouais. Ok. Te jette pas pour autant. Elle est dangereuse. Hein. Comment tu te sens? T'es bien? T'es fraîche? Ça va, je suis bien. Ok. Elle reste dangereuse. D'accord. Travaille ta droite. Ok, ta droite sur un décalage. Bien sûr qu'elle reste dangereuse. Elle reste très dangereuse. Round 9. 9e reprise. Allez, tout le monde. Gaël est revenu dans le match et ça va se jouer sur les deux dernières reprises, il me semble. C'est maintenant ou jamais. C'est encore jouable. Elle est revenue au moment où il fallait. Grâce à son courage, sa volonté, sa détermination. Elles devaient déjà se rencontrer toutes les deux au mois d'avril ici à Cergy-Pontoise. Et la Canadienne avait annulé un mois avant. Elle s'était engagée à défendre son titre à l'automne. L'engagement a été tenu. Et c'est Gaël qui termine fort cette action. Et qui termine bien avec son bras. Mais oui, elle touche encore maintenant avec le bras avant. Gardez cette trajectoire avec de la vitesse. Mais donnez tout ce qu'elle a aussi. Pour n'avoir aucun regret. C'est tellement important. Parce qu'on sait que sa carrière ne durera pas encore très très longtemps. Le pointage après 8 rounds. Je vous le donne. 2 points d'avance pour 2 juges après 8 rounds en faveur de la championne du monde et 1 point d'avance pour Gaël. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner ce 9e et le 10e. Mais attention, si elle gagne les deux derniers, s'il y a match nul, la Canadienne reste championne du monde. Reste chez la Canadienne. Et si elle gagne ces 2 rounds. Et pour si on moi, se projette, elle gagne cette reprise-là. Oui, elle la gagne. Et ça va jouer à très peu de choses. Et je crains qu'il y ait un match nul. Ça va être très très serré. Ça va? Ouais. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Mais sois intelligent, Gaël. Marche tout dessus intelligemment. Faut que tu boxes là. Là on est en retard. Épuise. D'accord? Tu restes en route. Là, on est en retard, Gaël. Pression intelligente. Regarde. Regarde-moi, cadre là. Tu la cadres. Sans jeter. Essaye de voir clair, essaye de la piquer. Ça tombera rien. Ok.
Touch gloves, large turn. Ok, dernier round. Gain en fais tout, gain. Fais tout. Donc, c'est bien que l'arbitre aille voir les deux boxeurs et prévenir que c'est le dernier round. Les deux coins respectifs. D'accord, le bras arrière précis. Essaye. Allez, il faut donner le maximum sur cette dernière reprise. Et la gagner nettement pour creuser l'écart parce que en gagnant les deux rounds, elle viendrait faire match nul pour les deux juges. Et elle mènerait pour l'autre. Oh, allez, les ultimes moments maintenant. Attention. Attention, on peut se faire contrer. Et cette droite, elle donne tout ce qu'elle a aussi, cette Canadienne. Championne héroïque. Qui fait mal encore avec le poing avant, comme elle l'a fait mal dans les deux premiers rounds, lorsqu'elle avait surpris et creusé un petit écart. Quelle ambiance, c'est magnifique. Beaucoup d'intensité sur cette fin de match. Chaque seconde compte dans cette ultime reprise. Il faut accélérer, il faut accélérer. Il faut mettre un maximum de coups. Il faut terminer les actions. Allez, terminer en rafale. Et avec son métier, elle va s'accrocher, Yelena. Elle s'est mise dans le rouge. Quand elle a fait le forcing dans les 30 premières secondes, elle le paye maintenant. Allez Gaël, moins d'une minute. C'est toute ta ville qui te soutient. Il faudrait que tous les fans, nombreux. Il faudrait knockdown pour que Gaël puisse remporter la ronde avec suffisamment d'énergie. Oh, attention, le crochet gauche. Quel courage. Est-ce qu'elle va détrôner la championne WBC, WBA. Le palmarès impressionnant, elle la bouscule. Elle est au niveau du championnat du monde. Elle est au niveau de la meilleure. Elle l'a montré ce soir. Son début a été hésitant. Peut-être l'enjeu. Mais quelle fin de combat. Attention à cette fin de ronde. Mais attention à cette puissance. Hein. Dégagée par la championne. Qui se sublime dans ce dernier round alors qu'elle était moins bien physiquement. Les deux tombent l'une et l'autre dans les bras et se félicitent. On va attendre avec beaucoup, beaucoup d'émotion, de suspense, de tension. La décision, je crains que Gaël. Moi, c'est la majorité des juges. C'est-à-dire que deux juges avaient. J'ai peur qu'elle soit battue ce soir. Et je pense qu'elle n'en a pas fait assez, quelque part. Sur le début de match. Mais c'est là que ça s'est passé. Parce que... Elle était... Alors, bien sûr, après 35 minutes d'effort, c'est plus facile à dire, mais quelque part, elle était... On l'a vu, que Gaëlle avait ce niveau. On parlait de se sublimer, elle l'a fait. Elle est passée réellement du plus haut niveau, alors qu'il n'y a pas eu de match intermédiaire. Et son combat au mois d'avril... On a fait jeu égal avec la championne. Une ceinture internationale... devant Tamara Marianela Nunez l'a à peine préparé finalement. Ces deux filles nous ont donné vraiment beaucoup de plaisir, belle confrontation propre, respectueuse l'une et l'autre de l'adversaire. Elles ont fait honneur à leur discipline. Quel crochet. Elle est puissante cette. Et on a même l'impression, on voit, oh là là, c'est ralenti, qu'il y a même une différence de catégorie de poids hein, parfois. Gaël qui salue son public, qui va en saluer son adversaire. Quelle que soit la décision, les deux filles méritent vraiment beaucoup de respect. Ça a été un très très beau championnat du monde. Qui pourrait laisser des regrets à Gaël Amant, mais lui permettre, et j'anticipe bien sûr, de poursuivre cette carrière parce que très souvent elle hésite, parce qu'elle pense à son avenir et on sait que la boxe, même au plus haut niveau, ne nourrit pas. Donc elle rêve d'ouvrir une salle de sport, que la ville, l'agglomération de Cergy-Pontoise l'aide beaucoup, qu'elle a passé de différents diplômes, notamment cette formation. De brevets professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport pour imaginer un jour diriger une salle de sport. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pointage des juges. Que va-t-il se passer ? Décision partagée. Partagée, mais oui. Monsieur Carossa, 80.
97-93. Pour Monsieur Méronen, 95-96. Et pour Monsieur Berwige, 97-93. Avantage à la boxeuse qui va être déclarée vainqueur dans quelques instants. Et toujours, et oui, elle conserve son titre. WBC, WBA. Je juge à elle. Quelques petits sifflets. Mais l'écart est trop important. 4 points d'avance pour deux juges. Et le troisième qui donne Gaël d'un point d'avance. Madame Jacoponi remet la ceinture de WBC et la ceinture de WBA lui est également remise. Elle conserve ses deux ceintures. Elle est au niveau. Gaël Amant, ce soir, est au niveau du championnat du monde, mais elle est battue parce que son début de combat a été manqué, malheureusement. Elle n'est pas entrée suffisamment tôt dans le combat. Voilà. C'est dommage. Mais c'est dommage. On est avec Gaël qui félicite une nouvelle fois son adversaire. Gaël, ça doit être une grosse déception. C'est vraiment, vraiment pas passé loin ce soir. Ouais, c'est vrai, c'est une grosse déception. Mais c'est vrai que Jelena, elle mérite. C'était une grande championne de ceinture. Donc c'est un gros challenge pour moi, on le savait. On voulait tenter. Et puis voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est sûr, il y a de la déception. Mais on va encore travailler et puis on les ramènera un jour. Sur la fraîcheur, vous étiez nettement au-dessus, il n'y a pas photo. Oui, oui, oui. Après, j'ai cherché la solution à quelques moments et... c'était pas ce soir. On a l'impression qu'il y avait un peu de combat, la première partie où vous êtes clairement mené, puis dès que vous êtes mené, un petit peu la réaction qui arrive, est-ce qu'il fallait pas se lancer un peu plus tôt ? Peut-être, oui. J'avais des consignes qui étaient de ne pas trop partir à la bagarre. C'était, je sais pas, après on verra, on en parlera avec les coachs et puis ce sera pour une autre fois. Bon, ça doit vous donner beaucoup d'envie pour l'avenir, j'imagine. Oui, 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 le challenge était beau, donc il fallait tenter. On avait l'opportunité, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de disputer deux ceintures chez soi, donc contre une adversaire de taille qui avait déjà deux ceintures. Donc c'est sûr, il y a de la déception, mais on va revenir plus forte et puis voilà, on est encore là. Évidemment, merci beaucoup et félicitations parce que vous avez très bien combattu. Oui. Merci à l'équipe 21 de nous suivre, c'est vraiment un honneur à chaque fois que vous suivez tous mes combats et c'est vrai que dans la boxe on n'est pas assez suivi, donc merci à vous. Quand on a des belles boxeuses comme vous, c'est évident. Merci beaucoup Gaël Amant. On va essayer d'avoir notre double championne du monde, Jelena. Jelena, just a word in English please. Ah oui, la photo d'abord, elle fait le tour du ring évidemment. Oh, what does that mean, this double belt for you? Je lui demande ce que ça signifie pour elle, cette deux nouvelles ceintures. It was great, you know, defending my belt against someone who's very tough, undefeated. She came in really tough. We knew that would happen. I want to thank all the French fans. Everybody was very welcome. This is your first one in France. This is my first one in France, my first one in Europe. So everybody was very welcoming and very, very great. So thank you. Okay, you seem exhausted. Oh, no. Bien, très bon français. Congratulations. Notre championne. Ouais, très, très sportive et très lucide. Mais Saoud, l'exploit était proche. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas manqué grand-chose. Peut-être aussi de l'expérience, hein, Dominique. Manqué d'expérience. Oui. Elle n'est pas rentrée suffisamment tôt dans le combat. C'est dommage. Cette gestion, justement, d'un grand événement. Et voilà, il lui a manqué cela. Elle est proche. N'oublions pas le pointage. Deux juges à un. Mais malheureusement, elle ne remporte pas ces deux belles ceintures. On est triste pour Gaël, Jean-Philippe et Dominique, mais elle a été épatante, la manière dont elle est revenue dans ce combat après ce début très difficile. On lui souhaite une autre chance et qu'elle remporte enfin ses ceintures sur la chaîne L'Équipe, évidemment. Alors, Jean-Philippe, très vite, avant de se quitter, la semaine prochaine, pour les fans de boxe, c'est encore une grande soirée avec un nouveau championnat du monde. Hein, Bello face à Flores. Hein, la semaine prochaine, ce sera à Liverpool. Exactement, championnat du monde des lourds légers, catégorie très spectaculaire. Il pèse moins de 90 kilos et reconnu par WBC. Donc c'est un super combat et c'est à l'Eco Arena à Liverpool. Donc vous imaginez l'ambiance encore. Donc a priori, des beaux championnats du monde. Nous sommes gâtés, hein, depuis le début de saison, on le dit chaque semaine. Voilà, il y a toujours un petit peu.